Bonjour, me revoici pour vous présenter des nouveautés. Je ne pensais pas avoir des nouveautés de sitôt, mais voilà, mon fournisseur a eu raison de moi. Il vient de sortir une nouvelle collection de chez Craft Compagnon. Et là, Crafters Compagnon, et j'ai complètement craqué pour la collection. Voilà, ben, c'est mon gros craquage. Donc je vais vous montrer ça. On avait déjà utilisé la collection. Dans les teintes mauves, tout ça, un peu saumonné pour faire l'album Indiana. Et là, vraiment, c'est trop girly, quoi. C'est rose, rose gold en fait. Donc, il y a toujours les blocs de cardstock en A4. Donc, il y a dedans 6 feuilles de chaque. Et c'est vraiment magnifique. Alors, je vous montre. Donc, on a une feuille de cardstock pailletée. Alors, je vais sortir une par une. Pailletée rose gold. C'est super, super joli. On a la feuille d'or, pareil, or rose. Ah, on voit mon plafond, ça fait miroir. Donc, or rose. Ensuite, on a. Alors. Autant vous dire que je vais vite utiliser celui-ci du nacré. Le nacré. Et pour finir, un plus foncé. Voilà, ça me fait penser à du rouge à lèvres. C'est vraiment nacré, c'est sublime. Alors là, ces 4 papiers là, c'est vraiment top de chez top. Ce qu'ils ont fait, j'en ai sorti plusieurs à la fois. Ils ont aussi fait, comme pour l'autre collection, les feuilles de mousse pour faire les fleurs. Assorti, voilà. Alors là, vous les trouvez aussi dans autre papier. Voilà, ce sont les feuilles de mousse à découper avec des dies ou à la main pour faire les fleurs assorties. Je voulais vous montrer les dies qu'il y a avec. Ils sont vraiment très très beaux. Là, c'est bon, tout est beau, tout est beau. Alors au niveau des embellissements, il y a les sequins qui sont or rose. Voilà, il y en a 50 grammes, ça fait un gros paquet. Ça se présente comme ça. Ensuite, il y a de la poudre à embosser et des paillettes assorties. Voilà, donc vous avez la poudre à embosser rose et les paillettes qui sont un petit peu plus foncées que le papier. C'est entre les deux là, mais c'est assorti. Vous pouvez également, si vous avez pris les Sparkles de chez Stamperia, vous voyez, vieux rose, et eh ben, on est dans les tons. Ça, les paillettes cosmiques de Shimmer, la rose Cooper, rose cuivre, regardez, ça va super bien aussi avec. Tout ça, c'est magnifique. Vous avez aussi le gel pailleté blanc, transparent, donc ça, c'est parfait, ça va super avec, là, on va être très bling bling. Alors, il y a les rubans assortis. Donc là, ce sont les mêmes teintes, mais vous avez deux tailles différentes et deux finitions différentes. Donc, il y a le satin. Et ensuite, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce ruban. Il a des stries comme ça en coton. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est très, très joli. Ben, c'est tout assorti, évidemment. Au niveau des dies, vous avez celui-ci. Donc, le carré qui fait un cadre. Voilà, ça mesure 8,8 par 8,8 le cadre. Donc il y a 2 pièces dedans. Donc il doit y avoir un fond et un cadre ajouré. Ensuite, il y a, je ne les ai pas encore ouverts parce qu'ils sont sertis. Vous avez l'ensemble, la collection avec les parfums et les dies qui vont avec. Donc c'est super joli. Là, c'est très très fille, très fille. C'est super chouette. Là, une bordure de découpe fantaisie. Donc, elle découpe le motif, mais elle découpe pas la bordure. Si, elle découpe la bordure de la fleur sur le haut, mais pas sur le bas. Donc, vous pouvez laisser le papier entier là et le recouper à votre guise. Là, il y a un die à l'intérieur. Ensuite, on a un joli classeur d'embossage avec des roses. Vous voyez d'autres photos sur le site de la boutique.
Et en embossage, on a aussi une bordure. Voilà, ça fait 17,8 cm de long par 3,1 de large. Voilà. Et ils ont montré sur, sur une carte, là, un exemple, hein, une petite bordure. C'est très, très joli. Et là, c'est le dies qui embosse en même temps. Donc, vous avez l'embossage tout autour pour faire une carte, par exemple. Et la découpe au milieu, donc tout ce qui est marron, là, c'est ajouré, en fait. Voilà. Donc, ça vous fait la découpe et l'embossage. C'est vraiment chouette hein, pour faire des cadres, des cartes, des décos d'albums. Donc tout ça, c'est dans cette collection-là. Vous pouvez la sortir si vous avez déjà pris, par exemple, Love Me Forever. Ben, les couleurs, voilà, je vous montre au niveau du rose. Les nacrés, voilà, ça va super, super bien avec. Je vais toutes vous les montrer comme ceci. Les pailletés, voilà, donc ça va avec un petit assortiment. Et alors, ce qui est top dans les papiers de chez Minté en ce moment, ils ont un fond un peu saumonné qui va super bien avec Day by Day par exemple, avec du gris, donc pour rehausser un petit peu. Et le bloc Lady, alors là, on est à fond dans le thème et dans les teintes aussi. Regardez si ça s'accorde bien, c'est vraiment, vraiment très, très joli. Et le thème également, la mode, les flacons de parfum. Là, on est à fond dans le thème. Là, je crois que... Pouf! Ça donne envie de faire un album avec ça. Oh là là! Vraiment, tout ce qui est dans les roses, là, saumonné, ça va super bien avec. Voilà, je vous le mets à côté comme ça. Ah, c'est pénible ce miroir qu'on se met en face. Et vraiment, c'est... C'est super beau, moi j'adore. C'est mon craquage, voilà. Bon, bah, j'étais pas décidée à prendre tout ça, mais finalement, voilà quoi. J'ai craqué, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, la petite sélection du jour. Voilà, tous ces produits coordonnés. Bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer des petits messages et voilà, je répondrai. Et je vous remercie d'être présente aussi sur la chaîne YouTube et on se retrouvera prochainement pour un tuto en live. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai plusieurs idées au niveau des papiers, mais j'avoue que maintenant, en recevant ça, là, j'ai vraiment très, très envie de travailler là-dessus. Donc, oulala, ça va être difficile de tout faire à la fois, mais il va falloir que je fasse un choix. Et je vous tiens au courant. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.